Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous connaissez sans doute l'importance des backlinks, donc c'est les liens entrant vers votre site, donc il va se trouver sur un autre site. Donc je vous ai trouvé un site sur lequel vous allez pouvoir diagnostiquer votre site, bien sûr. Donc ici j'ai pris comme démo un des sites de Olivier Roland. Et donc j'ai fait une analyse parce que ça prend un petit peu de temps. Donc vous pourrez voir ici par exemple que il a des backlinks en PR5, 2, en PR4, en PR3, en PR2. Donc vous pouvez faire une analyse complète du PageRank statistique. Vous voyez total backlink, page indexée et les encres sur les backlinks. Et ici vous avez également tout le listing des liens qui pointe vers le site. Alors, on va voir comment faire. Donc, on va tout simplement prendre comme exemple le site de Facebook. Donc, vous trouverez bien sûr le lien de ce site sur lequel vous allez pouvoir diagnostiquer votre propre site. Donc, on va rentrer l'adresse et on va faire Start comme ceci. Donc, moi, je le fais sous Firefox parce qu'il y a un module que vous pouvez installer qui va compléter l'analyse. Donc, je vais mettre en pause parce que ça peut prendre un peu de temps et on se retrouve dès que l'analyse est terminée. Bon, voilà, l'analyse a été terminée. Il a fallu, grosso modo, 1 heure et demie. Et oui, c'est Facebook. Donc là, on va pouvoir constater. Vous voyez, par exemple, PR9, il y en a 3, PR8, 23, PR7. Vous imaginez le nombre de liens. Vous avez ici toute la liste qui est aussi impressionnante. Vous allez pouvoir y retrouver tous les liens, les pages indexées. Vous avez également un graphisme. PR9, PR8, vous voyez, avec un camembert. Voilà. Donc vous trouverez le lien ci-dessous la vidéo et je vous mettrai aussi le lien d'un site qui me semble intéressant. Il vous offre des backlinks, donc en gratuit, et vous avez après aussi des options si ça vous intéresse pour obtenir plus de backlinks. Voilà. Donc c'était tout simplement pour vous présenter ce site et vous permettre ainsi de faire un test sur votre propre blog, votre propre site. Merci.